à travers la pratique du chemin de croix, c'est surtout le visage du Christ qui est donné à contempler. Certains chemins de croix montrent un visage de Jésus très souffrant, d'autres cherchent plutôt à montrer la paix, la force d'âme avec laquelle il a pu assumer jusqu'au bout cette épreuve. On peut se demander aussi pourquoi les chrétiens tiennent-ils tant à exposer sur les murs de leurs églises le visage de leur Dieu souffrant en 14 exemplaires. À Pleumeur, l'artiste morbihanais Xavier de Langlais a peint en 1960 un chemin de croix sur des carreaux de céramique. Alors c'est une église d'apparence extérieure ancienne, mais quand on y pénètre, on s'aperçoit qu'elle a été entièrement reconstruite après la guerre dans une architecture de béton. Xavier de Langlais a expérimenté ici une technique qu'il n'avait jamais utilisée, la peinture sur carreaux de céramique. Pour ce faire, il a collaboré avec un artisan rennais du nom de Jacques Marie. C'était une façon de rechercher un matériau durable qui résiste à l'humidité de l'église, mais cette technique lui permet aussi de travailler de manière très graphique. Le noir et blanc met en valeur le beau visage du Christ qu'il est possible de regarder sans frémir, tant il rayonne de paix. Avec le fond blanc et la retenue des moyens, il y a quelque chose de l'icône dans ces figures où les fonds lumineux donnent une valeur d'éternité à la scène. Certains chemins de croix contemporains aiment mettre ainsi en valeur le visage du Christ par le moyen d'un cadrage rapproché. Quelques détails ou personnages supplémentaires permettent de situer la scène. Ou au contraire, l'artiste choisit de mettre en relief le visage souffrant du Christ et lui uniquement. Ou encore, le visage du Christ n'apparaît pas du tout et son absence lui donne une grande force. C'est bien la face du Christ que nous cherchons, comme le dit le psaume 26. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. Ou encore au psaume 79. Seigneur, Dieu de l'univers, fais-nous revenir. Que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Ou bien encore, comme Jésus l'explique à Nicodème, il nous faut faire comme les Hébreux au désert. Le visage de Jésus est comme le serpent d'airain qu'il fallait regarder pour être guéri de la morsure mortelle des serpents. Par ses blessures, nous sommes guéris, disait le prophète Isaïe. Les panneaux de céramique sont d'assez grande taille, installés chacun sous un vitrail. Et quand on s'approche de chaque station, on a vraiment le visage de Jésus en face à face, en vis-à-vis. À la 10e station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. L'accent est mis sur le visage de Jésus, calme, qui se laisse faire comme un agneau qu'on mène à l'abattoir. C'est encore le prophète Isaïe qui le dit. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Le noir se concentre sur ses cheveux, les traits de son visage, alors que les soldats sont à peine esquissés par une main ou un visage voilé et anonyme. À la 11e station, Jésus est attaché à la croix. Là encore, seules deux mains et un outil définissent l'action, mais le visage de Jésus que nous devons regarder en face. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il est pareil à celui devant qui on se voile la face, dit toujours Isaïe au chapitre 53. Peut-être nous permet-il justement d'apprivoiser notre propre mort ou celle de nos êtres chers quand ils sont cloués par la maladie, pour que nous ne la fuyions pas, pour que nous laissions ce Dieu mourant l'humaniser
l'a divinisé pour nous. À la 12e station, Jésus meurt sur la croix. Ici, le visage est de profil, mais c'est toujours la même manière de faire ressortir le visage de Jésus. Avec les cheveux noirs, la couronne d'épines. Oserons-nous dire ici, avec le psaume 44, « Tu es beau comme aucun des enfants de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. Oui, Dieu te bénit pour toujours. » Troisième station, Jésus est descendu de la croix. Jésus n'a pas bougé. Il ne peut plus bouger. L'échelle et la corde évoquent le travail nécessaire à la descente du corps. Et c'est Marie qui le reçoit en une moderne Pietà. À la 14e station, Jésus est mis au tombeau. Il repose, les yeux fermés. Un homme accourut vers Jésus, se mit à genoux et lui demanda : « Bon maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus a répondu à cette question qui brûle au plus profond de notre être en parcourant le chemin de la croix. Nous te contemplons, Seigneur, sur cette route que toi, d'abord, tu as prise et à la fin de laquelle tu as jeté ta croix comme un pont vers la mort afin que les hommes puissent passer du pays de la mort à celui de la vie. L'appel à te suivre est adressé à tous, en particulier aux jeunes et à celles et ceux qui sont éprouvés par les divisions, par les guerres ou par l'injustice et ceux qui luttent pour être au milieu de leurs frères, des signes d'espérance et des artisans de paix. Nous présentons donc devant toi avec amour. Nous te présentons nos souffrances, nous tournons nos regards et nos cœurs vers ta sainte croix et fort de ta promesse, nous te prions. Béni soit notre Rédempteur qui nous a donné la vie par sa mort. Ô Rédempteur, réalise en nous le mystère de ta rédemption par ta passion, ta mort et ta résurrection. Amen.